Salut à tous, c'est Falcor sur Kenna Bridge of Spirits. Et rappelez-vous, j'étais dans une caverne parfaitement lugubre, parfaitement effrayante. Non, pas tellement, mais bref, une caverne. Voilà. Donc, l'idée c'est d'aller explorer ça. Voilà, ce sera le fil rouge de la vidéo, explorer la caverne. Parce que, voilà, j'ai abandonné l'idée de sauver Taro rapidement. J'ai l'impression que ça va être plus long que ça. Donc... voilà, là l'objectif est simple, simplement explorer cette caverne qui m'a l'air particulièrement intéressante. Alors de ce que je vois, en bas, vaut mieux pas y aller. Je regarde, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de caché ou quoi que ce soit. Ah, c'est un peu sombre. Voilà. J'ai le pouvoir... d'allumer la lumière. Je regarde toujours s'il n'y a pas un truc caché en contrebas. Je ne suis pas encore mort depuis le début et quelque chose me dit que ça va pas tarder. Là, on allume un petit peu la lumière à mesure qu'on avance. C'est quand même... c'est joli. On ne me dira pas le contraire. Ah mon dieu! Un Ent! Du Seigneur des Anneaux! Quoi? Attends, hé! Ah non! Ah non, 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 non! Attends, oh! Ça suffit! Ça sert à quoi ça déjà? Ah, je crois que c'est censé me redonner de la vie quand, quand j'en ai besoin! Ah mais. Oh! Oh, ce qu'il a pris. Non, j'en ai pas besoin. Enfin, condition que ce soit ce que je pense. Non, sale con. En fait, il m'a fait des dégâts. Je pensais que j'allais esquiver avec... non, on va le choper. Voilà. Ah, il aime pas ça, hein. Ouh, il aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh! Hey, pourquoi t'es là-haut? T'as pas le droit! Redescends! M'en fous, hein, moi du coup, je m'adapte, hein. Redescends, on peut le dire! Allez, j'aimerais bien que ma barre elle remonte là. Ah, ça y est! Oh là là, j'ai mis mon son trop fort et du coup. Où il est le méchant? Je vais te défoncer, mon gars. Ah, ça y est. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Le boss ici, c'est moi. Ok? Ce n'est pas toi. Là-bas. Alors, que va devenir cette grotte? Ouais, d'accord. Donc, je peux aller là-haut, très bien. Je le savais. Attends. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ils sont au taquet, mes petits bonhommes. Mes petits rots. Ah, elle a pas pris de... d'accord. Ok, oh, je vois à peu près le truc, mais avant de descendre... voilà. On regarde s'il n'y a pas des petites choses à explorer quand même. Ce serait bête de louper des éléments. Petit tour d'ascenseur. Ah, je peux pas bouger la caméra.
Sarah, you made it. I think we found Mr. Russo. Come on, this way. This way. Oui, bah Ruzu, là, je devais faire je sais plus quoi, hein, pour obtenir une lettre. Voilà. Y aurait-il un ro là-dessous? Pas du tout. C'est juste histoire de, voilà, que ça fasse joli. L'ambiance est vraiment incroyable. C'est vivant. Hey Mr. Russo, we've been looking for you. We brought our friend Kena. She's here to help Taro. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Russo. There's a relic covered by the corruption at your house, but I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. A spirit guide staff is no different. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Try using your bow on the targets. When you are finished, feel free to practice at the others. Alors, c'est là où je vais me ridiculiser. Appuyer L2 pour viser. R2 pour tirer. Bon. Ça va, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Il y a la visée auto. Arrête de bouger. Non. Ah non. Non, j'ai échoué. Oh non. On va recommencer. Back again. J'avais pas capté qu'il fallait aller vite, moi.
shot! Woohoo! C'est bon? Back again. Ah d'accord. En fait, fallait juste que je m'en aille, quoi. Hop. On peut viser un petit peu à l'arrache, ça marche plutôt bien. Est-ce que je peux... Est-ce que je me suis encore jamais téléporté, alors est-ce que j'essaierai pas? Parce que j'ai l'impression que là ça va être long si je fais tout à pied. Je regarde vite fait. Ah, peut-être pas, remarque. Attends. J'ai pas vu tout ça. Salut, mec. Ah oui, dis donc. Ah non, ça aurait été bête. Ah d'accord. D'accord, et donc est-ce que je dois le faire pour chaque? Non, ça n'a rien à voir. Non. Ça, je peux le défoncer? Attends, ah oui, voilà. Yay! Bah voilà! Oh oh! Formidable. Alors attends. C'était ça? Commencer le combat avec une action du rôle disponible. Oh! Je veux. Je veux complètement. Je ne réfléchis même pas. Ah, putain, mais oh, il peut pas tout faire tomber d'un coup là? Allez, mangez, petit roux. Oh là là. Ha. Alors. You'll need to make destroy all the targets to progress. There are three diff- Eh ben j'ai réussi là. Trois niveaux de difficulté, ah merde. Va. Ah j'ai. Ok, donc. La dernier niveau normalement. J'ai très envie de passer à la souris juste pour. Ah, il faut plus le temps que ça se recharge, c'est que je vais trop vite. Je vois les quatre petits. Y a pas moyen que pour que ça aille plus vite. J'ai tout réussi là normalement. Ouais, c'est fini. Ah, quoique je peux recommencer. Attends, vas-y, j'essaye à la souris. Donc là, je suis à la souris. Ah merde, comment on vise? C'est un énorme problème ça. Ah, attends. Viser, viser, viser. Left shift. Bah, bien sûr, c'est logique. Ouais, ça reprend du début, d'accord. Bon, bah voilà. Écoutez, on va pas y passer la journée. Est-ce que je m'achèterais pas un chapeau extrêmement cher? C'est quoi la différence? D'accord. Ouais, non, mais oui, je peux pas acheter tant que je les ai pas découverts.
Donc on va faire ce que je faisais jusqu'à maintenant, on va économiser. Alors. Oui. Manifestations of corruption patrol the path ahead. D'accord. Ouais, je m'en doutais. Merde. Oh, il est solide, con. Que vois-je? On va peut-être voir ça après, hein. Oh, le forban. Ah, il est là-bas. Non mais, arrête. Sale con. Je sais pas si... Non, il n'y a aucun intérêt. Parce que je suppose qu'il y a... Si on le tire vraiment en pleine face. Ah non. Là de ce côté-là, c'est classique. Ou pas. Trop loin? Ah! Et bah ça c'est intéressant par contre. Et du coup. Ouverture du pont. Ah. C'est bien, les choses avancent. Non, arrête de clastaler. Le vieux réflexe. Je vois un truc qui s'allume, moi je saute dessus. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Fais attention, Kenna. Eh ben oui. Ah d'accord. Donc tant pis pour le truc qui était... Ok. Alors ça, ça se fait pas déjà. Voilà, si j'arrive à... Allez, one shot, c'est encore mieux, évidemment. Oh là, ah oui d'accord. Ok maintenant tu vas mourir. Ah non. Oh là là. Oh, il m'a mis 2-3 taquets, mais je l'ai défoncé.
that knife for Taro when he was a boy. He loved these woods. And I tried my best, consumed by the troubles of our village. I hope we can bring him peace. More relics are hidden in the corruption of the Forgotten. I'll wait for you there. Couteau de Taro, relique découverte. Parfait. Ah! Cœur de Taro. Nouveau succès. Ah d'accord, trois d'un coup. Ouais, bah dis donc. Trop cool. Alors qu'y a-t-il dans ta maison? Ok, c'est tout? Enfin, c'est tout. C'est déjà bien, hein. Mais moi, je suis resté sur l'histoire de lettres à ramener dans une... Bah, dans une boîte aux lettres. Attends, c'est des... C'est bien ce qui me semblait. C'est bon, il y en a qu'un? Attends, mais... Non, c'est juste comme ça? C'est juste pour tirer dessus? Y'a pas d'autre intérêt? Ah oui. Ok, je suis revenu là. Très bien. Oh, alors attends, du coup, je comprends pas. En tout cas, c'est un nouveau passage disponible, alors j'imagine que c'est par là qu'il faut aller pour continuer notre aventure. Donc moi, ce que je vous propose, c'est simplement... bah de s'arrêter là. Voilà, voilà. Parce que c'est bien déjà. On a traversé la grotte du début qui finalement n'était pas très longue. On a rencontré Ruzu. Et voilà maintenant que j'ai un arc. Et là, c'est une toute nouvelle aventure qui semble voilà, nous tendre les bras. Enfin non, c'est pas une nouvelle aventure, c'est la suite de l'aventure. Mais en gros, une nouvelle étape. Voilà, et il vaut mieux faire ça dans une nouvelle vidéo, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine, qui sera normalement le lendemain de celle-ci. Voilà, voilà, c'était Falcor, merci à vous, et bisous.